Alors, donc, nous sommes à Universal. On vient de faire l'attraction la grosse attraction des mignons. Et c'est Fanda, j'adore. Et là, par exemple, vous voyez, on est dans la petite boutique à la sortie. Et j'avoue que j'aimerais beaucoup me prendre ce t-shirt. Mais je sais pas trop encore parce que, bon, j'ai prévu des sous exprès. Mais on va peut-être pas faire tout et n'importe quoi. Alors par contre... il est possible que la vidéo de la journée soit un peu décousue, mais c'est simplement parce que vous pensez bien que je vais pas non plus avoir mon téléphone toutes les 3 secondes. Mais en tout cas, ça s'annonce vraiment très bien. Alors là, vous voyez, je regarde mon entourage et tout, et c'est très beau, et on adore, et c'est magnifique. Par contre, vous voyez, j'ai une attraction sous le nez. Comment vous dire? Je suis à peu près sûre que je ne vais pas monter dedans. Alors je vous explique. Vous voyez, ça a l'air inoffensif, hein? C'est... oui! Sauf que, bah, on va voir, là, normalement, le véhicule devrait pas tarder à passer. Hein? Ah, bah voilà. Je pense que vous allez comprendre très vite pourquoi c'est mort. Nope, 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 nope. Non. Je ne fais pas ça. C'est très joli, mais non. Nope, nope. Je pense que là vous avez compris dans quelle boutique je me trouve. Thank you.
Attention les amis. Bon alors, il y a du bruit, mais j'en profite pour rajouter un petit truc par rapport à ce que j'ai vécu tout à l'heure. Donc là, il est 15h54, donc on est à Universal Studios et aujourd'hui, on avait pris les passes pour accéder à la zone Super Mario. Le truc, c'est que dans notre packaging, on va dire, on avait une entrée rapide à l'attraction Mario Kart. Attraction au demeurant très sympa. La seule chose, c'est que on arrive et à l'entrée de certaines attractions, dans certains parcs, t'as un siège pour tester. On arrive à la bonne file et je vois au bout de quelques instants que je pose problème parce qu'on nous redirige très gentiment vers le siège d'essai. Je monte dedans et ça passe tout juste, mais ça passe. Mon compagnon de voyage, lui, il l'a déjà fait l'année dernière et il n'a pas pris de poids depuis. Et on essaye de le forcer à se mettre dans le siège. Donc déjà, c'était pas terrible. En gros, on n'est pas mince, ça y est, tout de suite, va t'asseoir là-bas, tu vois. Le problème, c'est qu'on fait donc le chemin pour accéder à l'attraction. Donc tu te tapes les escaliers, tu te tapes les couloirs, n'est-ce pas? Et là, arrivé au niveau du kart en soi, on s'installe, on ferme la barre. Et là, au bout d'une dizaine de secondes, ça se rouvre et on nous demande de ressortir. Donc moi au début je comprends pas trop. Et là en fait il y a une des employées qui se présente avec son téléphone sur lequel elle fait du Google Trad pour dire qu'en gros ben ça passe pas. Donc moi je reprends son Google Trad et je lui dis mais en fait madame ce que je comprends pas c'est que j'ai essayé le siège à l'entrée, c'est passé, alors à la limite j'ai besoin d'aide pour pousser la barre, mais c'est tout. En vrai ça passe. Elle me dit bon et ils hésitent. Donc il y a du discours entre les deux, je pense qu'il y a une responsable qui a dû être appelée. Et au bout de quelques minutes, elle me dit « Bon, est-ce que vous voulez le faire ?» Ben moi, je lui dis « Ben oui, en fait. » Résultat, on a demandé à monsieur et moi d'inverser nos places. Là, par contre, j'ai pas trop compris pourquoi. Ou alors, c'était peut-être parce que la responsable voulait être du bon côté pour vérifier. Et en gros, on s'assied, je remets la barre, elle est bien fermée. Et l'employée, elle est quand même revenue pour bien mesurer au millimètre près, pour s'assurer que c'était bon. J'ai kiffé la zone, mais quand même, hein. C'est un peu vexant cette histoire.